My name is Marjolande Jager. Weary Weary Leaking and I first met about 25 years ago when I visited her at the Village Quilly in Abidjan, Ivory Coast, while researching Francophone African authors and publishing houses. We have been friends ever since and have stayed in each other's homes and come to know one another's families. In addition, it's a true privilege to be the translator of three of her novels. Currently, we are at JFK Airport in New York, where Weary Weary Leaking has a long layover between flights from Abidjan to Syracuse, New York, for a week-long visit at Hamilton College, where she has been invited as artist in residence. Unable to find any spot quiet enough for our interview here at the airport, we ended up in the backseat of our car in the parking lot. Bienvenue, chère Weary, et mille fois merci de bien vouloir nous parler ici à l'aéroport, entre deux vols et pendant une très longue journée bien fatigante. Cela témoigne encore une fois de ta générosité d'esprit et ta précieuse amitié. Weary Weary, I know you were born in Cameroon, but we would like to know a little bit more about where exactly, what your parents did, and who in your immediate family influenced you most in the years that you were growing up. Oui, alors je suis née à Bondé. C'est un tout petit village dans l'arrondissement de Makak, la chefferie de Ngombas. Et puis, alors c'est le département du Nyong et Kélé. C'est au centre du Cameroun. Et j'ai été élevée par mes grands-parents paternels, ma grand-mère, Ngobion Bikouban, une Kindak, et mon grand-père, Ndjok Ndourbéa, qui était un bombok. Donc ce sont ceux-là qui ont eu le plus d'influence sur mon éducation, qui ont fait de moi ce que je suis par rapport à mes propres parents. Voilà. You moved to Côte d'Ivoire. How old were you when you did leave Cameroon? And what made you decide to leave and to go to Côte d'Ivoire in specifically? Quand j'ai quitté le Cameroun, je n'avais pas le projet d'aller en Côte d'Ivoire. J'ai quitté le Cameroun pour la France, où j'avais des soins à suivre. Et après, comme mon premier texte paraissait, on ne raisonne pas le venin, mon époux m'a demandé de rester un petit peu en France pour voir un peu la réaction qui allait s'en suivre, puisqu'il y avait beaucoup de censure à cette époque-là. Et donc, j'avais une amie qui partait au Mali. Elle m'a dit, au lieu de t'ennuyer ici à Paris, viens avec moi au Mali. Et je suis allée au Mali. Et j'ai passé un an au Mali à faire des recherches. J'ai trouvé des choses très passionnantes. Et j'ai fait des recherches sur le dinédon, sur les marionnettes et du Mali et tout cela. Et finalement, j'ai décidé de rentrer au Cameroun par la route. Je me suis dit que j'allais m'arrêter dans chacun des pays par la route. Je me suis dit que j'allais m'arrêter dans chacun des pays en route pour passer peut-être 2 mois et travailler avec les femmes, continuer les mêmes recherches. Et donc, la Côte d'Ivoire était la première étape. Je suis arrivée là. Et j'ai trouvé des choses très intéressantes qui m'ont retenue. Et j'y suis depuis bientôt 40 ans. 40 years in Côte d'Ivoire. You are a woman of many talents. Painter, writer, dancer, composer, playwright, novelist. To me, you have always been a Renaissance woman because you are equally good in everything you try. What was the very first thing you did in the arts? Where did you begin? J'ai commencé par la chanson. J'ai commencé par la chanson en 66 et l'écriture est venue immédiatement puisqu'il fallait écrire des chansons. Donc j'ai commencé à écrire des sortes de poèmes à partir desquels je composais mes chansons.
puis j'ai écrit des pièces de théâtre, puis plus tard des romans, des essais, des contes et bien d'autres choses comme tu le sais. Donc voilà un peu le parcours. Le théâtre, la mise en scène sont venus après l'écriture. Mais la peinture, j'ai commencé également assez tôt. J'ai commencé la peinture en 68. Mmh. Voilà. Mmh. It is almost 30 years ago that you founded the village qui Mbok on the periphery of Abidjan. What was your purpose in starting the village qui? How many artists did you begin with? And can you describe a little bit what you have been through in these almost 30 years? Ça fait beaucoup de questions en même temps. Bon, alors, effectivement, ça va faire... l'année prochaine, ça fera 30 ans que j'ai fondé le village qui... Mais en fait, on a commencé en 83, en tant que villa qui, en tant que dojo qui y, puis villa qui y, et puis c'est en 85 que c'est devenu le village qui y. Mais quand je suis arrivée en Côte d'Ivoire, j'ai trouvé un poste de chercheur à l'université d'Abidjan et j'y ai travaillé pendant 6 ans. Et c'est pendant que je faisais ces recherches-là que je me suis vraiment posé les questions essentielles sur ma vie en tant qu'artiste, sur ce que je pouvais faire de mon art, et que j'ai décidé d'essayer de créer des conditions de professionnalisme. Parce qu'à l'université, bon, on étudie, mais chaque année, on change les étudiants et on ne peut pas expérimenter vraiment une esthétique jusqu'à son terme, jusqu'à ce qu'on puisse voir vraiment ce que ça vaut. Donc, j'ai décidé de créer des conditions d'un professionnalisme compétitif à l'échelle internationale, mais à partir de l'Afrique. C'est donc comme ça que j'ai cherché un espace et que... Je me suis rendu compte qu'il fallait vraiment... Les problèmes de formation étaient fondamentaux. Il fallait former des gens. Et donc, il fallait un espace où travailler suffisamment pour être compétitif, où former les jeunes, où les amener à une exigence capable de soutenir les arguments qui étaient les nôtres. Donc, voilà comment la chose est venue. Et puis, nous n'étions au début du village qui est en 85, nous n'étions que 5 personnes. Mais assez rapidement, on est passé à 9, puis à 20, puis à 30, puis à 50, puis à 100 et plus. Nous avons fait des spectacles avec 200 personnes. Nous avons fait des choses vraiment grandioses. C'était une expérience... qui était en même temps philosophique, éthique et esthétique. Il y a tellement de choses à prouver, parce qu'il y a tellement de fausses idées sur l'Afrique. Donc, nous, on devait expérimenter pour dire oui, les gens ont raison, ou bien non, ils n'ont pas raison. Mm-hmm. Et c'est ainsi que l'expérience a commencé, et ça fait donc, l'année prochaine, ça fera 30 ans. One more question about the village qui. With all the political turmoil a few years back in Côte d'Ivoire, in what way did that affect the work you were doing at the village? Could you continue, and if not, what happened? Mais vous savez, les problèmes politiques, quand ils arrivent dans le pays, surtout quand ça va jusqu'à la guerre, mm-hmm. et qu'on perd quand même des milliers de personnes, ça ne peut pas laisser quoi que ce soit indifférent. Beaucoup, la situation économique s'est détériorée, la situation sociale, la cohésion sociale, tout s'est détérioré et effectivement ça a affecté tout le monde, pas seulement le village qui, mais tout le monde, y compris le gouvernement, le pays tout entier a été affecté terriblement. Mais en même temps, Quand il y a des crises, les peuples sont bien obligés
d'activer un peu la conscience, parce que sinon, il n'y a pas de possibilité de survie. Donc, je pense que tout ce qui arrive à un humain doit pouvoir lui apporter quand même des aspects positifs. Je pense que les populations, dans leur majorité, ont compris quand même la valeur de la notion de paix que le premier président, le feu Félix Houphouët-Boigny, a consacré sa vie à prêcher. Je pense que on parlait de paix avant, mais aujourd'hui, quand on en parle, on dit là-bas que le chien qui a été poursuivi par un lion ne court pas de la même façon que celui qui n'a pas vu le lion. Donc, je pense qu'il y a ces aspects-là. Il y a les aspects négatifs et il y a les aspects positifs. Pour le village, ça a ralenti nos activités. Ça nous a empêché de continuer l'essor que nous avions pour les tournées internationales. On était vraiment dans une mouvance. Ici, aux États-Unis, on venait très régulièrement. Mais déjà, la première grosse crise, c'est que nous n'avons pas pu obtenir nos visas et nous n'avons pas pu respecter certains engagements parce que la politique était devenue très, très incertaine, quoi. Mm-hmm. Maintenant, je pense que le pays essaye de se ressaisir. Nous prions pour que ça dure. Et nous sommes tous en train de nous relancer, surtout nous au village qui, avec la perspective de célébrer nos 30 ans l'année prochaine, on se mobilise pour redynamiser toutes les activités, faire aboutir tout ce que nous avons fait un peu en secret pendant la crise. Pouvoir le faire aboutir maintenant, je pense que nous recommençons les tournées. Me voici aux États-Unis de nouveau pour des séries de conférences. Je pense que tout le circuit va se réanimer un petit peu. Et puis, on recommence des tournées en Europe. Nous serons déjà en Italie dès le 6 décembre. Donc, les choses redémarrent tout doucement. Nous pensons donc qu'il faut vraiment s'accrocher. Mais la crise nous a permis d'approfondir plusieurs aspects de notre travail que les gens vont découvrir. Et moi, j'ai fait beaucoup de publications qui vont maintenant sortir. J'ai écrit sur la crise ivoirienne, j'ai écrit et j'ai beaucoup peint. J'ai sorti des nouveaux textes, j'ai publié l'enseignement donc, que j'ai donné pendant toutes ces années. Donc j'ai de tas de nouvelles publications qui vont certainement exiger de nouvelles traductions, de nouvelles parutions aux États-Unis et ailleurs où on a l'habitude de traduire mes textes. Donc voilà, on continue, on se relève. Petit à petit, mais nous sommes très confiants. Mm. You are survivors in the best sense. Mm. Yes. Currently, at the village Quilly, where you work most of the time when you are not on tour, what are you most involved with? What are you emphasizing in your work? Is it teaching the children? Is it writing more books? What are you doing at this point? Mais pour moi, tout ça va toujours ensemble. Hein. C'est-à-dire que j'ai fondé ma création. Je dis toujours aux jeunes que je forme que la création n'est pas seulement celle des œuvres d'art, mais c'est la création de solutions à nos problèmes quotidiens, la création de meilleures conditions de vie pour nous-mêmes, pour notre entourage, pour notre environnement, la création de rêves pour un meilleur futur, pour le maximum de personnes possibles. Donc, je me consacre à ça. Et quand ça exige que je peigne, je peins. Quand ça exige que je chante, je chante. Quand ça exige que je parle, je parle. Donc, ça va dans tous les sens. J'ai continué à travailler dans la peinture. J'ai énormément peint. Maintenant, Dieu merci, j'ai trouvé un agent, quelqu'un de professionnel. Ma peinture est cotée de manière professionnelle. De beaux livres vont sortir incessamment. Les collections professionnelles s'intéressent
de plus en plus à mon art pictural. Donc ça, ça avance. La formation, vraiment, nous avons développé des choses. Ce livre que nous avons sorti, l'enseignement de l'éveilleuse d'étoiles, est quelque chose, je pense, qui va rester, qui va marquer dans le temps et qui va durer, parce que c'est un enseignement que j'ai donné sur plusieurs années et qui a formé près d'un millier de jeunes que nous avons quand même pu arracher au désespoir, à la violence et à la délinquance, et qui sont aujourd'hui, donc plusieurs sont de renommée mondiale qui dans leur art. Can you name a few of them? Pardon? Can you mention a few names? Oh, il y a des gens, ben, les plus connus sont sur la scène, mais ce ne sont pas forcément que les plus importants, parce que on a formé des costumiers, on a formé des gens pour les décors, on a formé les gens au son, à la lumière, on a formé des gens dans l'administration des compagnies, on a formé des stylistes, des sculpteurs, des peintres. Donc, si on commence à citer le nom, bon, on va retenir des noms comme Dobe Nyaoré, Manu Gallo, King Mensa, qui sont connus de manière, parce que la chanson est toujours amène les gens à être vedettes de manière plus large. Mais sinon, vraiment. And your own son Lem is a sculptor, is he not? Oui. Je pense que ici, aux États-Unis, il y a des danseurs et des chorégraphes qui ont travaillé avec des grands chorégraphes d'ici, comme les Ralph Lemon, qui a travaillé avec JJJJ, avec Naizu. Il y a d'autres chorégraphes, j'oublie son nom, qui ont travaillé avec des jeunes que j'ai formés. Donc, dans la danse, il y en a ici qui ont des écoles, ici aux États-Unis, des écoles de danse et tout cela. Vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc, je pense que c'est un travail important aussi qui m'a d'ailleurs permis de gagner certains prix à l'échelle internationale. Donc, c'est un travail qui me prend le temps, la formation, mais mon art personnel, et auquel je n'accordais pas beaucoup d'importance, c'est-à-dire aussi le chant, la parole, rapper, slammer et tout cela. Je ne m'étais pas accordé du temps pour moi-même. C'est maintenant, j'ai profité de ces temps morts pour faire. Donc maintenant, les gens vont entendre parler de la chanteuse Were Were Viking. J'avais commencé par là, je vais finir peut-être par là. À moins que Dieu ne me donne les moyens de faire du cinéma, parce que c'est mon rêve. J'aimerais beaucoup réaliser vraiment des films et jouer aussi pour des vrais réalisateurs. You have made one film. Oui, j'en avais fait. Which one is that? Mais j'avais fait Regard des fous, qui avait gagné le prix au Canada, comment ça s'appelait encore, il y a un prix canadien qui récompense le cinéma africain que j'avais gagné déjà en 88. Donc ça fait longtemps. Mais je n'ai pas pu continuer à faire le cinéma parce qu'il y avait trop de choses à faire. Et maintenant, je sens que j'atteins un certain niveau où la relève peut être prise dans d'autres choses. Et donc je vais consacrer un peu de temps à la créatrice artistique que je suis, surtout dans le domaine de la chanson et dans le domaine du cinéma que je n'avais pas encore vraiment approfondi. A lot to look forward to still from you. That sounds wonderful. You mentioned the prizes that you have won, and I knew about those, of course, like the Prince Claus Prize and the NOMA Award. Which one of the many that you've had, if you can choose one, has been most rewarding to you in terms, not only in terms of finances, but just in terms of the honor to all the work you've done? Chaque prix que j'ai gagné est arrivé à un moment important de ma vie.
à un moment où j'avais peut-être besoin d'une petite reconnaissance pour croire en moi-même et pour aller de l'avant. Le premier prix que j'ai gagné, c'était le prix Fonlon Nichols de l'Université de l'Alberta au Canada. Dans ma littérature, c'était déjà au début des années 80, au moment où je ne savais même pas que les gens lisaient ce que j'écrivais. Donc ça a été très important, ce prix-là pour moi, parce que du coup, je me suis rendu compte que je suis suivie. Et puis j'en ai gagné d'autres, comme le prix Arletty de la comédienne française, quand j'ai gagné le prix Arletty en France, ou le prix René Prel en Belgique. C'était des prix qui ne m'apportaient rien, pas d'argent, mais qui m'apportaient une certaine assurance, une certaine, qui me renforçait dans la foi en ce que je faisais. Donc je peux dire, mais les prix les plus importants, le prix du Prince Claude, ça a été vraiment un prix très important, parce que d'abord financièrement, il m'apportait quand même, c'est grâce à ce prix-là que j'ai pu créer ma propre fondation en 2001. Je l'ai gagné en 2000, et en 2001, j'ai créé la fondation qui, grâce à ce prix, parce que sinon je n'aurais pas pu rassembler ce qu'il fallait pour créer la fondation. Et puis le prix, donc ce prix du Prince Claude venait récompenser mon travail social. C'était en tant que héros de la ville. J'ai gagné également le prix Noma, qui m'a donné confiance à ma littérature. Et lui aussi, il m'apportait aussi de l'argent. C'est, ouais. Tous les prix que j'ai gagnés, mais j'ai aussi gagné des distinctions, comme par exemple des distinctions dans les lettres françaises. J'ai été quand même chevalière des lettres françaises. J'ai été distinguée comme officier de mérite culturel en Côte d'Ivoire. Puis aujourd'hui, je suis commandeur de l'ordre du mérite national en Côte d'Ivoire. Donc, tous ces prix, il y en a plusieurs que je ne peux pas citer, mais le dernier prix qui m'a vraiment émue et qui n'avait aucun argent et tout ça, mais ça s'appelle Faiseur de paix. C'est un prix qui a été créé par une association allemande qui récompense les gens qui, pendant les guerres, eux, ils essayent de poser des actions de paix. Alors, tout le travail que j'ai fait pour la réinsertion d'enfants soldats et tout ça m'a valu le prix de Faiseuse de paix. Bien mérité. En 2010. Donc bien voilà, ça c'est un prix, parce que on médiatise tellement les faiseurs de guerre. J'étais touchée par ce prix, oui, voilà. Oui. Thank you so very, very much to take time and after this long journey across the ocean, oui, to speak with us. C'est moi qui te remercie, parce que j'allais passer 7 heures à poireauter dans cet aéroport. And we had some time together instead. That's lovely. Thank you, thank you. Merci, Marceline. I would like to know the story about your shoes. Tu racontes des bêtises, toi aussi. J'ai pris les plus confortables, celles que mon petit-fils m'a offertes. Et puis tu sais, je suis maintenant considérée comme une rappeuse, alors je dois porter des baskets. I'm off des baskets. Mais celles-ci ont l'avantage d'être extrêmement confortables. Elles ont une pointure au-dessus de la mienne, donc je peux les porter dans l'avion. Je peux marcher dans tous les couloirs sans avoir mal aux pieds. C'est pour ça. Tu peux mettre les chaussettes, tu fais quoi?
C'est ça. Okay. Well, that answers that question.